Hello, bienvenue à tous. Un commentaire partagé. D'aller à l'Empire du Gant. Je ferais mieux de retrouver Patrick avant qu'il oublie quel jour on est. Qui je suis. Bonjour, Gary. Je suis content de voir que vous agissez pour l'environnement, toi, Spot. Bravo pour le recyclage. Non, 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 pas toi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui sera dédié à la relaxation et à l'inspiration. Je ne serai pas dérangé pendant mon précieux jour de congé. Je vais le passer avec l'amour de ma vie. Moi-même. Et mon art, bien sûr. Ça a l'air marrant. Je peux t'aider. Pour ça, il faudrait que tu fasses quelque chose de très important. Que tu fiches le camp. Parfois d'être contrôlé par une puissance supérieure, ou genre un gamin. Reviens quand mon réveil aura sonné. Chaque minute de mon sommeil réparateur compte. Je n'irai pas par là si j'étais toi, Bob. Tu vas tomber sur un gros embouteillage qui bloque toute la route. Quoi ? Alors comment les gens font-ils pour manger au crabe croustillant ? Ils ne peuvent pas. Vois par toi-même. Je suis coincé ici avec les propriétaires de restaurants concurrents, le Saut de l'Enfer et le crabe croustillant. C'est l'occasion rêvée pour faire un documentaire sur le meilleur restaurant de Bikini Bottom. Bonne idée! Un film sur les délices du Sceau de l'Enfer rapporterait des millions! Puis si bien que je parlais du crabe croustillant, personne ne va au Sceau de l'Enfer!
sauf pour savoir comment s'en éloigner le plus possible. Bon, les autorités mènent toujours l'enquête pour savoir d'où viennent les clous qui ont causé cette collision chaotique. Monsieur Krabs peut peut-être vous aider à trouver le coupable. Il s'est quand même fait livrer un camion plein de clous l'autre jour. C'est un sujet qu'il doit connaître. Faudra qu'on se carpe. Bonjour, Madame Pef. Oh, Bob, quelle surprise! Malheureusement, je ne peux pas te donner de leçons de conduite ce week-end. Tous les cours sont réservés. Il faudra revenir plus tard. Cette année, ou peut-être même l'année suivante. Les affaires marchent bien. Salut Basto, comment ça va? Bon, je vais bien. Summer Slasher, n'hésite pas à follow. Ça va, inquiète pas. J'ai joué au Bob d'éponge toute dernière. Je me demande qui est fautif ici. Probablement ce type. Salut Pearl, comment vas-tu en cette belle journée? Oh Bob, t'es pas au courant? C'est terrible! C'est les soldes au centre commercial aujourd'hui, et à cause de ce stupide embouteillage, aucun bus ne peut m'y emmener. C'est terrible en effet. Si tu veux, le bus qui va à l'Empire du Gant circule aujourd'hui. Tu pourrais nous y rejoindre, Patrick et moi. Ah oui! Ah oui, c'est très très longtemps, toi. Merci, mais non, quoi, je dois soigner mon image auprès temps. Des autres. Comment quoi, ça peut m'arriver? Des vacances, au boulot, ou tu fais quoi? Si, j'ai faim. Je suis perdu. Maman! Salut, Bob. Tu te réveilles plutôt qu'un coq insomniaque? Motivé pour faire un peu de karaté matinal? Vacances, ok. Moi, les vacances de semaine et vacances fin août aussi et 14 août aussi. Congé. Ce serait avec plaisir, mais peut-être une prochaine fois. Patrick et moi avons prévu de passer une journée mémorable à l'Empire du Gant. Tu veux venir? Merci. Mais pour sûr, tu mettras pas de gants sur cet écureuil. Je préfère le frisson des exercices de raffermissement et des canards en plastique. Mais si t'as un peu de temps devant toi, je veux bien que tu m'aides à traîner quelques vieux trucs hors de mon jardin. Tout ce que tu veux, Sandy. Je suis prêt à tout traîner, sans traîner.
Ah, comme d'habitude. J'ai rapiécé où c'est dit que je m'en dis d'un coup. Mon jardin est aussi beau qu'un coucher de soleil. Merci pour ton aide. Amuse-toi bien avec Patrick. Je sais. Ma bikini bottom adorée. L'endroit le plus merveilleux de l'univers. Bonjour, meilleur ami. Es-tu prêt pour une aventure grandiose? Et comment? J'ai passé ma nuit à imaginer que j'avais des mains. Un écran de chargement plus tard. Regarde, Patrick, des enfants cool. Salut. J'aimerais tellement être cool. Oh Bob, ce chariot vient d'apparaître de nulle part. Et alors? Oh, non, c'est pas assez cool. Oh, je peux avoir ça? Quoi, ce vieux bout de... magie et de mystère? Laissez-moi me présenter. Je suis Madame Cassandra, pourvoyeuse d'anciens trésors perdus des sept mers, à votre service, pour les petits budgets. Du savon à bulles magiques, pour faire vivre vos rêves. La légende raconte que ce bidule à bulle unique peut vous faire devenir qui vous souhaitez et obtenir ce que vous voulez. Il suffit de buller vos vœux vers les cieux. Non pas que ça ait jamais marché pour moi. 47 secondes plus tard. Je souhaite... Des ballons. Ok, mon premier souhait est pour mon meilleur ami qui adore les ballons. Je souhaite que Patrick vive la plus grande aventure ballonesque de sa vie. D'accord. Des ballons. Ce serait trop demander d'avoir rien qu'un jour de tranquillité. Comment je suis censé peindre mon dernier chef-d'œuvre avec vos gloussements d'andouille dans mes oreilles en permanence? Je souhaite que Carlo soit enfin apprécié pour son art. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Tu vas voir. Je souhaite que le monde entier réalise à quel point Sandy est incroyable. Merci, Bob. Trop chouette, ta bulle. 3 heures plus tard. Hey Bob, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Seuls les innocents au cœur pur peuvent exploiter le pouvoir des larmes de sirène. Que c'est sans doute le destin qui m'a fait trouver ce savon à bulles. Attends, ça dit aussi propriété du roi Neptune ne doit pas être utilisée par des mortels à manier avec modération et prudence.
Oh non, Patrick, qu'avons-nous fait? Qui aurait cru qu'utiliser la potion magique d'une mystérieuse voyante dans un chariot douteux pourrait mal tourner? Oui, c'était totalement imprévisible. Attends une minute, Patrick, tu es un ballon! Si seulement! Oh, si j'étais un ballon, je pourrais faire des trucs cool comme ça! Et ça! Et ça! Tu vois, Bob? Oh! Mais je suis un ballon! Oh, que c'est sûrement pour ça que dernièrement, je me sens si ballonné! Nous devons trouver nos amis et nous assurer qu'ils vont bien! Heureusement que Carlo a bon caractère, tout ça pourrait le fâcher. Je te laisserai jamais tomber. D'accord. Mon rocher, mon bon rocher géant, tout ce qu'il en reste, ce sont mes... Tout le temps. Ok, ça marche. Oui, j'essaie de prendre mon temps. Je vais couvrir le jeu. Oh non, mes post-it géants ont disparu eux aussi. Comment je vais pouvoir me rappeler d'acheter de nouveaux post-it géants? Ne t'inquiète pas, Patrick. Je suis sûr que tes post-it sont quelque part ici, ou là, ou par là-bas. Bouton 3. Aïe, ça m'a l'air bien cassé. De Sandy. Une seconde. Peut-être que toute cette folie est due à l'une des expériences de Sandy qui aurait mal tourné. Je parie que tout est sa faute. Je ne crois pas, Patrick. Les expériences de Sandy laissent toujours une odeur de gland dans l'air. Tout ce que je sens ici, c'est de la laine d'éponge et du savon à bulles. Oh ouais, c'est bon ça. Je peux enfin utiliser ma ceinture noire comme il se doit. Et jusque-là, je m'en servais comme écharpe. Quelques minutes. Reviens. Ok, ça marche. Ok. Thank you.
es vraiment mon meilleur ami. De Bikini Bottom vont pouvoir manger maintenant. Et sans Monsieur Krabs, qui les aidera à vider leur portefeuille? Je dois régler ça. C'est qui, eux? Retire tes sales pattes de moi. Mais tu es trop intelligent pour finir comme ça. Attends. Fuck. Ça va déjà beaucoup mieux. Espèce d'idiot multicellulaire. À cause de vous, Bikini Bottom est plongé dans le chaos. Mon restaurant est renversé et notre pauvre petit spot manque à l'appel. Vous auriez pu au moins me faire jouer un rôle. C'est un peu mon truc quand même. Correct. Oh non! Désolé, Plankton. On va tout remettre en ordre. Il va falloir que tu répares ça avant que quelqu'un d'autre que moi puisse profiter de ce chaos. Peut-être des soldats. Nettoie. Ok, ça va. Correct. Pourquoi est-ce que tu te répètes? Si tu veux. C'est ton disque dur qui bug encore? Incorrect. Youhou! Par ici, mes petits gaffeurs. Ça va déjà beaucoup mieux. Et voilà. Tu te soucies vraiment de moi. L'école est finie, Bob. J'ai une situation plutôt compliquée sur les bras.
Mes mignons, vous avez survécu à cette calamité. Oh, Madame Cassandra, c'était un accident. On voulait simplement s'amuser, mais on a utilisé trop de votre savon à bulles magiques et on a détruit Bikini Bottom. Et maintenant, tous nos amis ont disparu et il y a de la gelée partout. Et Gary me manque. Non, c'est presque trop parfait. Il ne s'agit pas de n'importe quelle gelée, Bob. C'est de la gelée cosmique, la colle de la réalité. Ton festival de bulles doit avoir fait des trous dans l'univers, ce qui a fait sortir la gelée et aspirer tes amis dans de nouveaux mondes étranges. C'est bien ce que je me disais. Il faut que vous m'en rameniez autant que vous le pouvez pour que je puisse l'étudier et... vous aider à réparer le bazar que vous avez créé. Après tout, c'est en partie ma faute. C'est moi qui vous ai donné une potion aussi puissante par accident. Ça me semble logique. C'est sûr. Parfait. Maintenant, sautez dans les portails qui se sont ouverts dans toute la ville. Je peux utiliser de la gelée pour vous confectionner des costumes cosmiques, chacun relié à un portail. Plus vous ramènerez de gelée, plus nous pourrons traverser de portails. Vous êtes prêts? Je suis prêt! C'est parti! Allons sauver Bikini Bottom des conséquences imprévues et dévastatrices de nos actions! Trouve le portail qui correspond à ton costume. Une fois que tu auras trouvé tes amis, tu pourras utiliser cette baguette à bulles magiques pour les faire rentrer chez eux. Mais de boutique. Ok. Oh, mais pauvre garçon, vous devez vous sentir terriblement coupable de tout ça, hein? Ouh, je ressemble à une sorte d'éleveur de bétail pastoral. Je me demande si on a un nom pour ça. Nos amis se trouvent peut-être de l'autre côté de ce portail. Allez, Patrick, il faut qu'on aille le sauver. C'est notre devoir d'ami. C'est un peu bizarre de voir un cactus sous l'eau, non? Mais bon. Wow. À Bikini Bottom. On dirait plutôt le Far West. Yee-haw! 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 Oh, désolé, l'ami. Je cherche mon vieux copain, Monsieur Krabs. À peu près de cette taille, rouge. Problème de crabe, hein? Je pense qu'il faut voir ça avec le shérif de Montafé. C'est bien ça. C'est tout gluant. C'était trop bien. Ouais, viens, on fait la queue et on recommence.
sais pas ce que Cassandra veut faire de ce truc. La seule chose que je fais avec de la gelée, c'est des tartines. Patrick, Madame Cassandra sait ce qu'elle fait. Si elle dit que lui apporter de la gelée permettra de ramener nos amis, alors nous lui amènerons de la gelée. Bob, qu'est-ce que tu vois? De l'eau? Du soda? De l'eau gazeuse? Qu'est-ce que tu vois? Mon bernacle, c'est trop petit! On n'y entrera jamais! Pourquoi est-ce qu'on est si grand? C'est pas petit, Patrick! Ah bon? C'est juste très loin, très très... On est sauvés, Patrick! C'est Madame Puff! Si quelqu'un sait où se trouve Monsieur Krabs, c'est bien elle! Elle ne sait probablement pas. Petite minute. Quoi qu'il nous semble ici. Même si elle nous connaît à la maison. Ici, on va devoir faire connaissance. Comme on a dû apprendre à la connaître la première fois qu'on s'est rencontrés dans notre monde. Tu comprends? Non. Peut-être qu'on pourra passer par là plus tard. Qui sait? Peut-être pas. Je vais compter sur toi, Patrick. La pizza du capitaine est un plat de roi pour vous et moi.
Qu'est-ce que ce bagage fait au milieu du désert? Je pense qu'il est tombé de la calèche de Madame Peur. Regarde, en voilà d'autres. Comment est-ce que je... Je crois que c'est un bouton. Ouais. Technique parfaite. Suivez ses affaires. J'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs expériences de mort imminente dans ce ranch. Ouais, c'est ça le Far West. Que c'est Madame Puff? Qu'est-ce qu'elle fait dans un ranch? J'adore la sauce ranch. Un petit peu de gélatine, et voilà! Là-bas! J'ai vu un truc qui bouge! Ah, il y a quelque chose là-bas. Une aventure dans notre aventure! Une avant-aventure! Je suis riche. Bonjour, étranger. Vous êtes venu à pied jusqu'ici? C'est très dangereux. Vous pourriez vous assécher en un rien de temps. Je gonfle en rien que d'y penser. Moi, je gonfle quand je mange de la nourriture pour escargot. Salut, je m'appelle Bob l'éponge. Et ce ballon, c'est Patrick. On cherche notre ami, Monsieur Krabs. Mais vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom. Il voyage peut-être sous un nom d'emprunt. Oh, comme Jérémy. Ou Pétunia. Ou Capitaine Pain. Ou Ronaldo. Un crabe sans nom, hein? Va voir à Montafié. C'est là que finissent tous ceux à qui il manque quelque chose. Pourriez-vous nous emmener là-bas? C'est un véhicule auto-école, pas un taxi. Mais si tu passes l'examen avec moi, tu pourras t'y rendre tout seul avec ton propre permis. Mon propre permis? Quand tu seras prêt, retrouve-moi près de l'hippocampe. On verra si tu réussis à rester dessus jusqu'à Montafié. Oh.
suis. Ah, fini les frottements. D'abord des petits terrains. J'aime bien ça. C'est tout gluant. Je veux dire, madame l'instructrice, je dois vous avouer que j'ai déjà fait ce genre de choses avant et les examens, c'est pas toujours mon truc. Alors, est-ce qu'on pourrait sauter ce passage? Oh, ne dis pas de sottises, Bob. Un petit rodéo n'a jamais fait de mal à personne parmi les survivants. À vos marques, prêts? Option. D'accord. Bien joué. Tu as obtenu 35,7 points. Fais le tour. Oh, c'était moi une. Tu peux repasser les... Bien joué. Tu as obtenu 35,7. Oh mon pauvre, tu as 6 points.
sur 7. Je ne suis qu'à un point de réussir l'examen. Youpi! On peut réessayer. C'est tellement amusant. Ce n'est pas nécessaire. Je ne savais pas que tu t'étais amusé. Cela te vaut un point supplémentaire. Voici ton permis. Merci, partenaire. Un permis. Si vite, Rotler. Je crois que c'est pas possible. Ce permis me permet uniquement de monter à dos d'hippocampe et autres poissons de cette catégorie. À l'exception de... Oh, ça ne parle pas du tout de bateaux mobiles. Enfin, quand les bateaux mobiles auront été inventés, il suffira de repasser l'examen. N'importe quoi. Mon derrière est tout endolori après la chevauchée que tu as dû faire. On stocke trois choses. Du bois flotté, de l'enduit de rebouchage et de la laque. Oh, alors vous faites des sandwichs? Y'a un truc qui tourne pas rond chez toi. Parie toujours sur la mauvaise personne dans un duel de sèvres. C'est la tête, tu as entendu? Les mollusques arrivent! Les mollusques arrivent!
Le shérif est peut-être au saloon si tu le cherches. Regardez qui voilà. T'es peut-être jaune moutarde, mais est-ce que t'as le mordant qui va avec? Oh non, je ne mords pas. Je suis tatillon sur l'hygiène. Je cherche mon ami Monsieur Krabs. Vous l'auriez vu? Il a de grands et beaux pédoncules oculaires et de... Je suis plus de service pour le duel, mon mignon. Mais si jamais t'arrives à me battre, je jetterai peut-être un œil à ton affaire. Partant. Vaut mieux que tu te trouves une paille, cow-boy, et assure-toi qu'elle aspire droit. On va se faire un petit duel de soda au cactus. Y a pas une seule créature marine capable de boire plus de soda que moi. Tu vas sombrer plus vite qu'un bébé à l'heure de la sieste. Des bandits en gelée. Ces malfrats gélatineux n'ont aucune tripe. Je crois qu'il a perdu son pantalon. Surprise en réserve que mes chaussettes après une tempête de sable. Tu t'es bien occupé de ces bandits en gelée. Maintenant, voyons voir de quoi t'es vraiment fait. Attrape ta paille. Igloo, 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 igloo. À la tienne. Le contrôle de nos fermes à cactus, on n'a plus beaucoup de provisions. Tu crois que tu pourrais aller jusqu'au mont cactusien pour nous ramener un petit peu de jus de cactus? Plutôt on finira notre duel, plus vite je pourrai résoudre ton affaire de crabe. Ne vous inquiétez pas, shérif. Votre adjoint Bob... Et votre adjoint Ballon, Patrick... sont sur le coup. C'est tout gluant. Oui. C'était ma cachette, ce tonneau. Ah bah, c'est mal. C'est pas, mon petit monsieur. C'est même pas bon. Ils sont verts, juteux et épineux. Comme... Ne t'inquiète pas, Patrick.
On s'en ira dès qu'on aura trouvé davantage de jus de cactus. Oh oh, on dirait qu'il veut t'affronter en duel. Ce gentleman a l'air familier, saura nous indiquer la bonne direction. Bien le bonjour, monsieur. Je suis Bob l'Éponge. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Salut, Cowboy. Désolé, je t'en mets pas. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de boissons de cactus. Ça demande du cran de se lancer dans ce business. Je vous suggère d'engager un consultant pour vous guider contre une modeste part de 70%. Et je vous dirai où trouver les cactus à la sève la plus rafraîchissante, hein. Les gens ont payé des sommes folles pour en avoir depuis la pénurie. 70%? Il y a anguille sous roche. Oh, désolé, j'ai dit 70. Je voulais dire... 80, bien sûr. Oh, je préfère. Il suffit de suivre la route jusqu'au bon cactusien. Et n'allez pas arnaquer votre pauvre consultant débordé. Je ne prends que 90% de votre chiffre d'affaires. Allez, Patrick, partons à la recherche de ces concombres épineux. Oh, regarde, un vieux panneau d'avertissement. Ça dit « Mon cactusien ». Épines, chaleur mortelle, bandits et sable mouvant. Amusez-vous bien. Ça m'a l'air dangereux, Bob. Il y a peut-être un hippocampe dans les parages qui a besoin d'un cavalier agréé. Oh là là, ce cactus est tout là-haut. Il y a quelque chose là. C'est marrant de vous retrouver là. Je viens vérifier que les tonneaux sont à l'abri des brandis. Il y a des profits des cactus juteux partout dans les parages. Allez, filez. Ça y est, Patrick. L'or du jus de cactus nous attend. Thank you.
Merci, Patrick. Merci. Ça devrait couvrir mes arrières. La confusion est une chèvre sur un gazon synthétique. Un autre vieux panneau d'avertissement. Ça dit... Attention au vert taureau. Pourquoi s'inquiéter à propos d'un petit vert? Ça devrait couvrir les arrières. Je crois qu'il a perdu son pantalon.
de capitaine est un plat de roi pour vous et moi. Attends. Et du bouet. Voilà. Je veux juste goûter un tout petit peu, s'il te plaît. Congratulé à coups de table dans le dos, l'homme vaniteux finit par se briser le bras. La confusion.
de la gelée. On ne vit pas plus longtemps en ville. Ce n'est qu'une impression. Je me demande s'il y a quelque chose. Tu te soucies vraiment de moi? Ça va déjà beaucoup mieux. Je me demande s'il y a quelque chose par là. On ramène toute cette sève au type que j'ai l'impression de connaître. Et hop! T'as une sacrée technique pour atteindre ces cactus. Mets le jus dans ce tonneau-là pour le mettre à l'abri. Et un tonneau rempli. Continuez comme ça, mes petits nigous.
Je vais avoir besoin de plus de cèdre que ça, mon gars. Ça combien d'heures? Encore un autre vieux panneau. C'est écrit mine fermée, vert taureau en activité. Ce petit vert doit... Peut-être qu'on devrait poursuivre notre route. Qui
aurait cru que le désert était un environnement si dangereux? Ou tout essaie de nous faire du mal ici? Ça devrait couvrir mes arrières. On a extrait tout le jus de ces cactus jusqu'à la dernière goutte. Mettre un panneau ou quelque chose. Ça va déjà beaucoup mieux. Ce vieux panneau demi-tour, mine fermée. Ce petit verre a l'air de causer de gros problèmes. Je crois qu'on est tombé dans une sorte de grande grotte sombre en forme de verre. Ce qui signifie qu'elle a probablement été créée par une créature féroce et terrifiante comme une oie. Je vois une lumière au bout du tunnel. Remets-moi par là. Attends, non, je ne suis pas prêt. Ok. Thank you.
dire si on est déjà passé par ici. Il fait tellement noir. Étranger, qu'est-ce qui vous amène par ici? Si c'est de l'or que vous cherchez, dégagez! Il est à moi! Il faut vraiment, vraiment qu'on retourne à la surface, monsieur le mineur! Le soda de notre ami en dépend! Eh bien, je pourrais te laisser utiliser mon monte-charge, mais qu'est-ce que j'y gagnerais? Tout ce que vous voulez! Rien n'est impossible pour notre incroyable duo! Bien! Ce fichu vertoraux d'Alaska est obsédé par mon or. Il m'a fait sauter ma plus belle dent. Bam! D'un coup! Si vous me récupérez ma dent, je peux vous faire remonter à la surface. Si j'étais une dent en liberté dans le nid d'un ver géant, où est-ce que je me cacherais? En tant que crasseux paresseux, je peux dire qu'à mon avis, quelque chose vit dans ce trou. On a trouvé la dent en or. Retournons voir le mineur avant que quelque chose ne vienne à nous.
frottement. J'aurais parié une pépite d'or que vous auriez déjà été transformée en pâté pour verre. Mais vu que vous avez survécu, vous avez ma dent. Je ne sais pas. Est-ce que les escargots laissent de la bave dans les bois? Bien sûr! Le monde charge est à vous, les gars. Oh! Et je sais pas ce que vous avez fait en bas, mais vous schlinguez! Allez, prenons ce monde charge. Ça devrait nous remonter le moral. Une éternité plus tard. Réserve de soda. Cravache, Patrick. On a un train à rattraper. Drôle de coïncidence, hein? Des bandits volent notre train et Monsieur Krabs est dedans. Attends, Monsieur Krabs est le bandit au mains rouges. On se rapproche pour pouvoir le ramener à la ville. Thank you.
vous en manger. Laissez rester ici. Sans arrestation, bandit aux mains rouges. Comme je te le disais, Bob, tu dois me ramener. C'est des carapaces, tu n'en vivras pas en prison. Désolé, shérif, je me charge de celui-là. Je devrais arrêter de boire autant de soda au cactus quand je suis en service. Eh ben dis donc, ça m'a appris quelque chose d'important, ça, c'est sûr. Que tout n'est pas qu'une question d'argent. Quoi? Non. Tout est une question d'argent. Mais j'ai appris que je ne peux pas mettre un prix sur mon lot. Ah, pour vous aider, Monsieur Krabs, on va trouver Pearl et le crabe croustillant et les ramener en un rien de temps. T'es un bon garçon, allez, vas-y. Maintenant, je suis sûr que tu peux te déplacer un peu plus vite avec tes nouvelles compétences de conduite. On a encore beaucoup d'amis à ramener chez eux, Patrick. Allons-y. On est rapide. On devrait demander à Madame Cassandra où on peut trouver nos autres amis. Cette femme, c'est tout. C'est comme si elle avait tout planifié. Je suppose que quand t'as pas les moyens d'entretenir un château, tu le remplis d'eau et c'est tout. C'est stupide. À faire rien du tout. Oh, ça je l'ai fait. Je me souviens. Bob, j'ai besoin de ton aide. Sheldon est trop fier pour te le demander lui-même. Mais tes sottises ont renversé le sceau de l'enfer et nous avons besoin que tu le remettes sur pied. Nous avons déjà construit une plateforme grâce à des calculs précis, mais Sheldon n'a pas pris en compte sa... petite taille. Excuse-moi, mais il y a des choses plus importantes que des poubelles renversées. Ce n'est pas une poubelle, c'est un seau. Et il s'agit du seul restaurant de Bikini Bottom.
Je sais que tout le monde aimerait manger dans un seau, mais c'est le destin de tout l'univers qui se joue actuellement. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que l'univers peut tenir bon jusqu'à ce qu'on ait aidé un ami dans le besoin. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mes calculs sont pourtant parfaits. On peut peut-être t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais si tu veux te faire pardonner pour tout ce bazar, je suppose que je peux t'autoriser à m'aider. Tiens, utilise ce super améliorateur d'élan véloce que j'ai inventé pour l'occasion. Ouh, c'est une planche de surf à bulles. Oui, mais je lui ai donné un nom sophistiqué. Alors c'est à moi que reviennent les honneurs. Je suis jamais venu ici, mais comme le crabe croustillant a disparu, j'imagine que je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a un truc comestible ici? Techniquement, oui. Nous, citoyens de Bikini Bottom, devons rester unis en ces temps difficiles. Alors, sachez que le sceau de l'enfer acceptera avec humilité son rôle d'unique pourvoyeur de nourriture. Pauvre fou! Plancton, j'ai toujours su qu'au fond, tu étais un membre actif de la société. Et ne t'inquiète pas, Patrick et moi allons tout faire pour tout remettre en ordre afin que personne ne soit plus jamais obligé de manger au sceau de l'enfer. Attends, cette dernière partie était vraiment nécessaire, tu crois? Les deux mariés... Eh ben... Spot va vraiment très loin. J'ai dit écoutez. Vous aimez le chercher? Ne t'inquiète pas, Plankton. Bien. Oh oui. Une telle quantité de gelée pure et naturelle. Toute cette puissance à l'état brut. Crée ton prochain costume. Il va te paraître très familier, mais ne laisse pas les apparences te tromper. Quand tu traverseras le prochain portail. Ouh, mon équipement de karaté. La tenue la plus classe que je possède. Ce sera beaucoup plus rapide de se déplacer avec ces hippocampes. Ça va aussi secouer beaucoup plus. Pourquoi ? Vu que ce livre ressemble à quelque chose que Carlo pourrait faire, pas vrai ? Ah oui, je crois qu'il appelait ça... Comment c'était déjà ?
porte-la. Eh bien, moi, je vais l'appeler Samantha. J'aime bien ça. C'est tout gluant. Allez, allez, dépêche-toi. Il y a encore tellement de jeux. La suite est plus tard. Bon appétit à tous. À tout à l'heure.